Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, voilà un petit main, on se retrouve pour ma présentation de ma collection Les Légendaires. Je vais voir. Si vous ne connaissez pas, je vais un peu vous présenter tout ma collection de légendaires. Voilà. Alors voilà, on va tout de suite commencer par. Alors j'ai des origines, je ne les ai pas tous. Hein. J'ai un origine, Griffe Enfer, je les ai tous lus. Hein. C'est des autres, des potes qui m'ont. Ils me l'ont prêté. Bon, alors on va commencer. J'ai un peu zoomé. Voilà. On va commencer par. Voilà la petite. Les légendaires, origine. Et c'est le 3 Griffe Enfer. Voilà, c'est trop classe. J'espère que vous voyez bien l'image. Mon préféré, c'est celui-là. Tu vois. Voilà, ça m'arrive. Voilà, voilà, je vais pas lire, hein, sinon ça, Judo va juste prendre une éternité. Voilà la page. Cette histoire, je vais vous voir, cette histoire parle l'histoire de Griffe Enfer, comment les origines, c'est comment ils sont devenus des légendaires. Voilà, tu vois la vie. Personne n'échappe au dragon de Falky. Ok. Enfin, bah, tu vois, et après, il est prisonnier. Et après, il devient un monstre esclave. Voilà. Et il souffle là. Tu vas là. Oh, allez, un petit peu plus proche, plus proche, plus proche. Allez, dedans. Oh, c'est mal. Hein. Ah, je m'attends pas. Allez. J'ai tout ça pour le premier. Au premier, c'est après les origines. Comment tout ça? C'est en fait celui-là, c'est là où ils se retrouvent tous ensemble. Là, c'est une couverture, c'est trop beau. S'ils se retrouvent tous ensemble, tu vois là, on appelait les légendaires. Tu vois là, les choses sont bien. Là. Tu vois, ils sont bizarres là. T'as vu le petit gars là, il est tout grasouillé. Oh, eh ben on voit plus, non, je rigole. Ok, on va tourner un petit page, voilà. Bon, ok. Voilà, c'est tout ça pour le 1, c'est tout court. Maintenant le 2. Voilà, je trie juste un. Parce que j'ai pas envie de les, tu vois. Alors, le premier, je trouve que c'est déjà, c'est la même couverture. Là, le gardien. Voilà, ça parle. Juste après, ils sont retrouvés, ils font des épreuves. Là, la Razia qui est mort, je crois. Je me trompe pas, là. Tu vois, la Razia, là. Il dit. Razia, la Jadina qui dit, Razia c'est bon pour nous, à ton tour lâche cette épée et cours nous rejoindre. Ok, Razia il est mort. Non mais c'est mal fait le 2 je trouve. Tu vois et là ça peut mal faire. Ah il revit. Tu vois. Ok. Alors, vous si vous voulez savoir de quoi ça sent là. Ça sent ça, je suis en train de bouffer ça. Bien. Ok. On passe au 4. J'ai pas le 3. Hein. J'ai déjà vu. C'est celui-là que j'ai pas. Voilà. Allez. Faisons péter. Enfin, moi, j'ai tout classé comment. Au réveil du Krakaos. Quand même. What? Ok. Là, tu vois, j'ai pas. Là, je sais pas quoi dire sur tout ça. Tu vois. Voilà. Là. Ok. Je dis poule qui poule. On passe au.
Le 6. Je n'ai pas le 5 aussi. Et c'est celui-là. Là, mon doigt. Ok, on va lire. 6 mains du futur. C'est le 6. Tu vas aller endormir là. Oh, comme. Oh là là. Oh, il est beau le gars. Hein. Il est beau. Oh, yeah. On voit ton trou de nez avec tes petites crottes de nez. Ça fait du bien. Oh, arrête, calme. Voilà. Tout pour celui-là. On passe au 7e. Robot crépuscule. Qui est bien. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai la bave entre les dents. Ouais. Ta 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 ta. Hein? Et, tu vois, la chimie, elle est un peu jalouse de griffes, là. Ok. Maintenant, on va passer au 8. Je pense là, on est à la moitié puisque j'ai 16 BD. Mais elle va durer une quinzaine de minutes, un truc comme ça. Oh, déjà la couverture, mais regardez comme elle est belle. Oh là là. Vraiment magnifique. Magnifique. Ok. Alors, c'est Griffes et Plumes. C'est là où il rencontre son frère à Griffes. Connerie! Allez. On passe tout de suite au 9e. Au 9e, pardon. Un de mes préférés, vraiment. Un de mes préférés. Toujours la même couverture. Alors, c'est là on commence le cycle d'Anatos. Allez, se trouiller. Alors, qu'est-ce que c'est le cycle d'Anatos? Alors, je vais vous faire dans le 8. Voilà. La 8. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Voilà. C'est écrit. C'est écrit. Crépuscule, tu savais comment allait se terminer cette histoire, puisque tu as le pouvoir de lire l'avenir. Alors pourquoi toute cette mise en scène? À vrai dire, je voulais m'amuser une dernière fois avec les humains. Une dernière fois, comment ça? Les légendaires vont bientôt devoir affronter l'ennemi le plus terrible qui soit, et leur monde n'y survivra pas. Et tu veux savoir le plus amusant? Cet ennemi qui causera la fin d'Alysia. Et l'un des cinq légendaires. Tadadam! Préparez-vous pour la suite d'Anatos. Disponible chez le librairie. Ok, on va passer au 9. Donc. Voilà, ils veulent aller à l'history pour savoir l'avenir qui va être. D'ici là. Mais la history, c'est pas l'avenir. Ok. Ok, mais je suis. C'est. Ok, on passe au 10. Ah, ça devient intéressant. Ah, ça. Musique d'Anato, c'est mon cycle préféré. Voilà. Mort! C'est là où ils affrontent Anatos. Et en fait, attention. C'est rigolo, hein? Non. Ok. Attends. Je cherche. Là, avec le combat, ils affrontent, tu vois. Ils affrontent là, tu vois. Au calme. En fait, normalement, c'est chimie dans la historique qui est prévue. Mais en vrai, ça va être. En fait, c'est 1-1-1. C'est Danaël. Parce que je sais pas. Parce que c'est la clé. C'est réincarné en fait. Dans on passe tout de suite au 11 versus inverse. Bon, celui-là, je passe vite parce que lui, tu vois, c'est la suite là. Ah, déjà, c'est trop classe. Je m'avais pas arrêté sur ça, mais vraiment sublime. Bon, ça, je vais vous passer rapidement. Voilà.
Elle a le 12. Ah, les 12, la fin. Après, elle a le 13, elle a le 14, elle a le 16. Intéressant. Attends, c'est là où Anatos il est vaincu. Mais je vais pas tout vous dire, hein. Parce que sinon, pas besoin d'acheter, vous verrez votre vidéo, hein. Ok, on passe tout de suite. Oh, ça sonne haut. 1, 2, 3, 4, les 5 derniers. Le 13. Le 13. Jadina va chez dans son royaume parce que sa mère est malade du l'air d'amour. Après le 14. Ah, le 14, hein, vous savez, vous voulez savoir. Miss Dibule. Ok. Dans le 14, j'ai oublié de passer. Déjà la couverture, ah, la belle. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Et voilà. Ok. The 15, amour mortel. Amour mortel, je t'amour. Ok, là, en fait, la chimie amoureux parce que, tu vois, parce que Griff et chimie, ils étaient ensemble, quoi. Ils donnaient les jardins ensemble, Ténébris et machin. Et non, machin et Razia, ils sont ensemble. Griff a quitté chimie pour aller avec Jaguarian, mais. Cette Jaguarian est-elle Jaguarian ou quelqu'un qu'ils ont déjà rencontré? Mystère, vous avez qu'à l'acheter. Allez, c'est pas gentil, hein. Aux deux derniers, on passe. Le 16. C'est mon préféré. Un de mes préférés. L'éternité. Le dire 4. Désolé pour cette coupure. Ma caméra est tombée. Tu vois. Et là, j'ai fait un spoil. Je me suis spoilé. En fait, dans le 16, on était alors dans le 16. En fait, la fille d'Anatos qui se réincarne en griffe. Et tu vois, là, je vous montre juste quand il se réincarne. Tu vois cette pute? Tu vois cette. Là, tu vois, elle tue Chimie parce qu'elle est. Alors, il l'oblige à se mettre en ta-ta-ta-ta, éternité, fils d'Anatos. Ok. Et le 17, Joanne Butcher. Moi, je vous le présente. L'exode de Xalandre. Voilà, j'ai pas trop envie. Et dans 18, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Ou à mettre un petit pouce bleu. Ou à vous abonner en cliquant. C'est gratuit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je m'appelle. Bye bye bye.